What's going on, guys? Nouvel épisode XCOM 2, saison 2. Il faudrait aller voir la fille du marché noir. Elle pourrait réapprovisionner le bar. Super, juste pour aller boire, sale con. Nous étions en train de faire la guerre blindée. Dans deux jours, on a notre Spark, donc on va sûrement la voir dans cet épisode-là. J'ai rajouté des mods pour le Spark. On va voir un peu ce que ça va faire. Ah ah! Spark. Guerre blindée. Les Sparks se soignent pas comme les autres soldats. Oui, ça on sait. Affectez-les à l'ingénierie pour commencer les réparations. Structure renforcée, canon électrique. Ça c'est mode par contre. Advent Chip Adaptation. Alors, blablabla. Alors, ça augmente la précision de leur tir. En fait, ça c'est, ils utilisent la puce que les Advent, que les soldats Advent en fait ont dans le crâne, enfin dans le cou. Ou c'est le crâne. Non, c'est le bas du crâne, je crois. Pour augmenter le spark, on a ça. On a les Nano Muscle Fibers. J'ai un putain d'accent de fou. Donc les armures des les moutons, c'est les Goliath. Blablabla. Donc ça c'est pour augmenter. En gros, ils disent que les armures des moutons sont faites en fibres de nano muscles machin. Et sur le spark, ça pourrait aider, ça pourrait augmenter sa la distance sur laquelle il peut bouger. C'est pas mal. Et après on a Spark Suppression. Ok, donc là c'est juste une augmentation en fait. Ils auront la capacité de faire la suppression, c'est ça, je pense. Spark conçu par le regretté docteur Raymond Chen avant de première blablabla, ouais, ça on connaît. Donc voilà, donc on a de nouveaux trucs, ça c'est bien. Et on peut en construire un autre, hein, bien sûr. Donc on va pas le faire. Alors, Spark suppression. On a l'Advent chip. Et après les nanotrucs, on n'a pas assez d'argent. Eh ben, on a pas mal de trucs. On a pas mal de trucs, c'est bien. Alors on va faire des... Je crois qu'on va faire une grenade expérimentale. Ah non, je crois qu'une fois qu'on aura débloqué l'Amérique du Nord, c'est ça sera direct, je crois. Enfin, d'abord on va les regarder. On va voir. On va juste aller confirmer. Munitions et des grenades, des armes lourdes, terrain d'essai terminé, ok. Munitions, grenades et armes lourdes. Donc on n'a pas besoin de les faire maintenant, ça serait une perte de temps. On va faire grenade plasmique. Voilà, ça c'est intéressant. Nous nous mettons au travail tout de suite, commandant. Dès que le projet est prêt, je vous contacte. Très bien, donc nous avons notre premier Spark. Voilà. Alors apparemment, je crois que j'ai rajouté aussi des mods pour... à quoi il ressemble. Je crois que normalement ça c'était des corps de XCOM 1 en fait. Enfin, on va lui mettre les normales, mais genre les 3 et 4, je crois que ça c'est les ce que avaient les mecs dans XCOM Enemy Within. Je crois bien. On va le mettre comme ça pour l'instant. Voilà. Capacité soldat. Je sais même pas ce que font les skills. Hein. Les perks. Je sais pas du tout ce que font les perks. Et j'ai enlevé le mode parce que ça faisait un conflit. Donc j'ai dû enlever le mode pour voir les perks. Donc on verra ça. En tout cas, il a perforateur avec l'arme normale. Overdrive, ça c'est bon, on peut tirer 3 fois. Arsenal, le bot
le bot qui vole là, il peut tirer un missile. Châssis mécanique, il est immunisé contre le feu et le poison, et il peut pirater comme un machin, comme un spécialiste. Ah, énergie diffuseur. Ah, c'est bien ça. Cool. Par contre, je crois qu'on on a des trucs à construire. Enfin, on peut construire des nouveaux, nouveaux objets. Fabrication d'objets, armure. Ouais. On a la structure renforcée, amélioration des squats. C'est pour renforcer le robot. Ah putain, il nous faut de l'argent. Merde. J'ai pris le temps de fouiller dans les anciens fichiers que... Depuis quand on a besoin autant d'argent, là, comme ça? Ressources stratégiques localisées. Il nous reste 3 jours, ça fait chier, ça. Ah, on n'a pas... Ah oui, parce qu'on a, on était en train de faire ça, exact. Je reçois un message urgent pour vous, commandant. Il est regrettable que vos prestations récentes aient été aussi médiocres, commandant. C'est l'heure de la base. Nous mettons le cap sur le chiffre. Il reste 19h. C'est l'heure d'attaquer Advent. Oui, Advent. Enfin, Avatar, quoi. Attends. Merde. Putain. Ah, en plus, c'est bien, c'est 2 cases. Alors, Gordon. Moi, parce que je suis un boss. Grenade. On prend... Non. On va prendre Jill. Si, on va prendre ça. Et j'ai rajouté encore un membre. Comme ça, on va pouvoir prendre... Johnson. Et le Spark. Voilà, donc toi, t'es bon. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit que l'arme, on allait peut-être la mettre à Johnson. À la place. Pourquoi, je ne sais plus. Oui, parce que tu risques de faire plus mal, ouais, tu... Oui, Johnson, tu vas tester le machin, là, la nouvelle arme. Ah, très bien. On peut rien te mettre, du coup, ça c'est un peu chiant. On peut même pas te mettre l'augmentation de l'armure, ça ça fait chier ça. Parce qu'on n'a pas de sous. Bon, on va essayer de pas le casser, le nouveau jouet, hein, on va essayer. Alors Snake, Snake. Tu vas prendre la hache, même si tu vas sûrement jamais t'en servir. Ah, tout le monde est prêt.
on est prêt. Mercure déployé. En position pour le déploiement. Les résistants de la région nous ont confirmé la présence dans le secteur d'un centre extraterrestre en lien avec le projet Avatar. Et nous allons le fermer de façon permanente. Approchez de la cible et posez les charges de X4 à l'emplacement indiqué. Puis mettez-vous à l'abri avant l'explosion. Si nous parvenons à détruire ce bâtiment, nous gagnerons un peu de temps. Et c'est parti. Menace 1-5, coordonnées de la cible verrouillée. Rejoignez la position indiquée et posez les charges de X4. Quiet. Quiet. Oh. Il a une sorte de bouclier là. Hein, sympa. J'ai pas regardé la voix qu'il avait par contre. Ce sera la surprise. Ok, move, move, move. Si jamais il a une... Si jamais il a une voix en fait. Makeruka! Heading there now. Pardon pour le petit bruit. C'est moi qui fais tomber des trucs sur mon... Roger. Sur mon bureau. Normal. Toi, t'as run and gun, ouais. C'est ça l'habilité avec la hache. Ça fait une sorte de cône, là, voilà, comme ça. Et ça peut détruire les couvertures ou les murs, etc. Donc c'est plutôt pratique niveau stratégie. Parce que du coup, on pourrait, genre, on a besoin d'une ouverture, bah, on y va un coup dans le mur, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Merde, t'as vu quelqu'un, toi. Look. Oh, putain. Bien sûr, fallait qu'il soit sur la droite, c'est con. Rolling. Roger, I got my eyes on that area. Eh ouais, ils arrivent. Ah oui, j'ai rajouté un mode aussi pour la lampe. Comme ça, la nuit, ils ont des lampes activées. Apparemment, ça marche plutôt bien. Ok. Alors là, du coup, on est beaucoup, hein. Je vais pas le cacher, on est beaucoup. Keep moving. Parce qu'on a le spark en plus et tout. Donc ça risque d'être un peu facile. Enfin, je veux pas trop en dire, mais... Ça risque de pas être compliqué, en tout cas. Voilà. On va dire ça, on va mettre ça comme ça. Mais bon, c'est parce qu'on a plein de trucs, quoi. Hein, d'accord. Parce qu'on a... Merde. Avec qui on va tirer? Tu te fous de ma gueule, vous voyez rien, vous? I'm ready. Sort of. You go. I'll watch your back. Voilà. C'est parce qu'on a plein de classes, tout ça. Hein. Boum. Bon critique. Je crois que toi tu vas déguster, toi. Oula. Oh, toi t'es un tir de représailles, toi. Ouais.
D'accord, ça... Ça a un peu merdé. Taken care of. Ça a légèrement merdé. Non, parce qu'en fait, c'est à cause des nouveaux advents, là. Celui-là, il avait le tir de représailles, quand on lui tire dessus, il nous tire dessus. Et vu qu'on était en... Putain, pourquoi le robot, il veut pas récupérer le drop? Ça fait chier, ça. Marche pas, le truc? Oh, fait chier. Et vu qu'on l'a tiré pendant qu'on était en train de faire un... de l'Overwatch, voilà quoi. Putain, qu'est-ce que c'est classe, hein. Surtout en noir. Ça fait super classe, franchement, avec cette armure, avec, avec le samouraï. Ça va. Elle est bizarre cette map. Je crois que c'est une map mode. Ça me dit rien du tout. Enfin, elle est assez différente des autres. Oh merde. Ouh la vache. Toi t'es un peu rouge toi. Toi tu fais un peu peur. Ok. Ah, il y a la voix de Julian. Ah, putain, on est super mal placé. Ça casse les couilles. Mais vraiment, hein. Goliath Pyro. Rien que le nom, ça dit rien qui vaille. Putain. Goliath Pyro. Alors, je voudrais bien voir les balles, ce que ça fait. 5 à 7. Je pense que... We are XCOM. J'aime bien le buff. Portée améliorée, il s'écrit pas balle, en fait. J'aurais dû tirer avec l'habilité. Ah non, ça va. Ça va, il l'a tué. On va se mettre du côté gauche avec Snake. Bien, bien, bien. Grenade out. On va voir si ça va être utile. Pas vraiment. Ça fait un peu trop d'objets qu'on utilise là, où on va se calmer. Oh, tu l'as eu ? Eh, bien joué, Snake. Stand down. Bien joué. Suppression. Je vide mes chargeurs sur cette... Elle est marrante la voix. Est-ce que
Ouh. Ça brûle. Donc il peut faire suppression. Donc quand ça dit suppresse en anglais, ça veut... Je pense pas qu'il parle de la suppression. Par rapport à l'augmentation là qu'on a avec le mode. Faudrait que je regarde exactement ce que c'est. La sération. Hop, hop, attention, le samouraï est là. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle est classe cette putain d'armure. Eh mais. Oh merde. Ok, ça c'est moins classe. Eh mais franchement, elle est super classe cette armure. Je sais que je vais sûrement le répéter encore une fois avant la fin de la vidéo, mais elle est vraiment classe. Bah voilà, c'est fait. Alors ce qu'on va faire. Soutien sur toi. Voilà. Snake, tu vois quoi, toi? T'en vois un, là. Est-ce que tu... Ah, peut-être. 74. Allez, vas-y. Merde, pas de critique. Se déploie. Il est où Johnson? Ah, il est vachement derrière. Il va falloir que t'avances du coup. Ok. Tu feras peut-être une suppression sur la tourelle. Écorchure. Oh, oh, oh! Brûlé. Yes! Donc j'avais bien raison. Les balles dragon, c'est celles qui font un de dégâts en plus et qui brûlent. Oh putain, c'est énorme. C'est putain d'énorme. Je veux pas dire, mais c'est énorme. Attends, je viens te placer là. Putain, t'es bien placé, Jill. Ah, c'est vrai qu'on a le grappin, j'avais oublié, merde. Je veux pas dire, mais je suis content de jouer à XCOM, là, parce que vu que j'ai fixé les problèmes de mode, etc., là, ça me... Le jeu tourne bien et tout, vu que maintenant, voilà, quoi, j'ai passé une après-midi à fixer tout ce merdier. Je suis assez content d'y rejouer, là. J'ai la grâce d'une gazelle. Ok, toi, on va te changer la voix, t'as une voix de merde. Tu dis de la merde surtout, c'est ça le truc. L'efficacité, voilà. C'est ma spécialité. Toi tu vas mourir donc ça sert à rien de tirer dessus. On va balancer une suppression sur la tourelle pour éviter que le samouraï se prenne une bastos. Il est où ton... Ah oui, il est sur le samouraï. Je me disais, il est où son gremlin, s'il est parti où? Intouchable. Non, je... Parce que... Non, franchement, attends, là, t'avais...
Là, lui, il a une super... Attends, tu vas pas me dire que ça a touché, quand même. Non, je pense qu'un touchable, il passe en premier, même si ça touche pas. Je crois que... Bah, tiens, j'allais le faire avec le grappin, mais en fait... Putain, tu peux même monter tout là-haut. Ah oui, il y a l'échelle. Ah ouais, il y a l'échelle. Je me suis dit... Ouais, non, en fait, ça sert à rien d'utiliser le grappin pour ça. On va voir. On verra s'il y a du monde en plus. Bah, en fait, non. Je me suis dit... Tu vas pas me dire que le mec, la tourelle, elle a une... comment ça s'appelle ? Une suppression. Plus elle vise le samouraï qui a une esquive de malade, etc. Et tu vas me dire que ça a touché quand même. Mais en fait, je crois que le intouchable, ça passe en premier, même si ça touche pas, en fait. Le premier coup fera toujours intouchable, en fait. Donc ça, c'est un peu emmerdant, dans le sens que c'est un peu gaspillé, du coup. I am ready. All right. Je refais le plein et je recharge. Vous confirmez que c'est bien votre ordre ? On va vite te changer la voix, toi. On lui mettra peut-être la voix des mecs de... Quand je dis mecs, c'est les MEC, hein, c'est pas genre les mecs, les hommes. Hein, c'est les mecs de... d'XCOM 1, Enemy Within. On lui mettra la voix parce que j'ai téléchargé le pack de voix de... Et ils sont plutôt cool. Elle est sympa cette map. Je crois que ça c'est une map de mod aussi. Est-ce qu'elle ressemble à rien à ce que j'ai déjà joué ? Et la mission elle est plutôt... Elle est plutôt simple. Je sais qu'on est beaucoup, mais même sans ça, ça va quoi. Je vais obéir pour l'instant. Well, wait a minute. I'm watching. On overwatch. I'm always watching. You go. I'll watch your back. Alert team. Vous n'avez rien de plus difficile pour moi. On va utiliser les. T'es où ? T'es là. Battle scan. Allez. Oh merde. Mince, je crois qu'il voit pas à l'intérieur. C'est quoi ça? Des oiseaux? Sur le toit? Ah, fais chier. Je sais que c'est super dangereux ce que je fais. Hein. Oh la vache! Je sais que c'est super dangereux ce que je fais avec lui, hein, avec le samouraï, mais j'aime tellement le fait qu'il soit aussi résistant que. Bah, que voilà quoi. Bon, par contre, c'était peut-être vraiment con ce mouvement là, ce que je viens de faire, parce que là, il y a. Ça va, on a le protocole de soutien, bon, c'est déjà c'est ça. Mais oui, non, c'était peut-être vraiment con de faire ça. Ah, fais chier. Tu peux faire la gelure. Ouais, non, tu peux pas faire la gelure, ça sert à rien. Heading to that location. Zing, je crois que tu vas. Menace 1-5, vous approchez de la position. Il fait vachement peur. Oh merde. Oh putain, Centurion. Il fait vachement peur celui-là, avec sa couleur bizarre.
Alors. Oh putain, Zhang, t'es magnifique. Firing rocket. Oh Zhang, t'es magnifique. Oh, l'autre il s'est pris des dégâts, mais ça a pas détruit le sol. Peut-être avec le feu ça va le détruire. Là il va falloir utiliser des flashs, hein, je pense. Hein. Ouais. D'abord on va voir ce qu'on peut faire avec le samouraï. Ça c'est déjà fait. Bien. Là on va brûler. Là il y a le centurion. Là c'est... On peut le tuer. Là aussi on peut le tuer. On va se mettre là je crois. Ou alors en haut. Ah ouais mais... Ouais, en haut c'est à moitié détruit, ça sert à rien. Ici on va brûler, on peut pas se cacher. Ah ouais là tu pourrais te mettre là. T'es protégé là. J'ai envie de passer quand même derrière le centurion en fait. Pourquoi je sais pas, je vais sûrement me prendre des baffes mais... Comme j'ai dit, j'ai jamais joué vraiment melee dans XCOM 2. Car le fait c'est que voilà, le ranger c'est de la merde en melee. Donc si on me dit le contraire, ben je sais pas comment vous jouez. Là le samouraï je le fais vraiment melee quoi. Mêlée, seul. Devant tous les ennemis. Par contre, tu tires avec quoi là? Tu la balances la grenade ou tu la tires avec ton machin? Ouais, non, tu la balances. Ok, t'as touché deux, ça va. Oh la vache, un peu la merde. I'm gone. Ah, t'es trop loin pour quoi que ce soit là. Tout le monde est un peu trop loin en fait. Cover me. Ah, toi tu te mettras en vigilance. Keep moving. Brûle salope. Yes, c'est énorme. On va se mettre là. Ah, elle est terrible cette équipe, elle est terrible. Oh, tu vois qui? Ah bah ça va, tu vois le mec qui va brûler. Overwatch. I'll cover you. Boum. Je suis content d'avoir mis cette arme sur Johnson, ça marche super bien. Ah, les tirs à travers les murs. Putain, qui touche en plus. Arrête, il l'a tué en plus, oh la vache. Ouh, le centurion, ouh, ça va faire mal. Il va taper, je crois, là. Fou. Intouchable. Ah oui, c'est vrai qu'on a tué. On a tué, donc t'es intouchable. Par contre, je veux voir si le Goliath, il va riposter. Je sais que normalement, ça serait, c'est con de faire ça, mais je veux voir s'il riposte. Apparemment, non.
Et apparemment, j'ai pas pu le tuer. Ah merde. Suppression. Qu'ils vont essayer de bouger. Suppression pour annuler la vigilance, très bien. Et hop là. Est-ce que ça a marché ? Et j'aime bien l'équipe là qui se déploie comme ça là, vachement efficacement et tout. Bon, il y a toujours Gordon qui se plaint, mais c'est marrant. Ah putain, il a loupé. Ce que je vais faire, je vais montrer que. Je vais voir si on peut faire un trou dans le mur. Ah, il brûlait, ça va. Normalement, l'autre, s'il bouge, je vais devoir le couper. Yes. Merde. Pas bon. je veux voir si ça marche comme j'ai expliqué le coup de la hache. Alors, genre, je veux ouvrir là. Oh, mais c'est énorme. Ok, là les rangers deviennent utiles. Pas pour tuer à coup de main. À coup d'épée, mais à faire des ouvertures comme ça. Putain, c'est vachement bien. Oh. Niveau stratégie, c'est énorme. On n'a pas eu de drop encore, je crois. Si ? Ah si, je crois. No problem, boss. Genre, on peut détruire un immeuble si tout le monde s'équipe de la hache. Heading to that location. Une petite minute. Ready to engage. Alien. Go ahead. I'll hand that. The fun just doesn't end today, does it? The fun doesn't end today, does it? Hostile qui approche de votre position. Ok, ça marche. Renfort là-bas. Position confirmed. Merde. Ah ouais, d'accord, tu peux pas aller loin, toi. Merde, t'es chier. Ah oui, d'accord, c'est parce que tu dois faire le tour. Cette unité est relativement agile. Ouais, je me disais, comment tu peux aller plus loin si tu... Ouais, t'as la même habilité que les mecs dans Enemy Within. Arada. Là, il faudrait faire un trou, par exemple, avec Snake. Et après, je débloquerai les haches de différents niveaux. Elles sont ultra belles. J'ai vu des screenshots. Putain, comme elles sont super détaillées. Le mec, il s'est vraiment bien démerdé hein, pour faire ça. Oh la vache. Où elle passe? Putain, elle passe tout au-dessus.
Ah ouais, non, franchement, le mode des haches, là, oh la vache. J'ai été impressionné quand j'ai vu. C'est pour ça que je les ai pris, parce qu'elles sont super jolies. Bon, je sais pas si c'est très bon de tous se déplacer d'un côté, en fait. Je crois que mes habitudes doivent déteindre sur moi. Braquez mon cas. Il y en a du monde. T'as beaucoup d'HP, toi, merde. Et légèrement mal placé, toi, en fait. Faut voir les dégâts de merde, quoi. Pas de critique, bien sûr. Ok. Oh merde, écorché. Ah non. Ah si, écorché. Sorry, I can't hear you with my bullet in your mouth. J'ai le pied léger. Que Spark, j'en ai tué combien déjà, qui fasse quelques dégâts. Pas d'autres contacts dans la zone. Posez les charges de X4 et procédez à l'évacuation. Je sais pas par où on va sortir, en fait. Bon, on va voir où c'est qu'il y a les renforts. Ouais. Man, good thing I've watched Die Hard like 50 times. Otherwise, I wouldn't know anything about guns. Le feu se propage, putain. En train de bouffer l'immeuble. Menace 1-5, statut confirmé. Charge de X4 armée. Rejoignez le point d'extraction pour évacuation immédiate. On sait où on met le point d'extraction. Un truc qu'il devrait faire, c'est... Parce qu'on peut le mettre un peu partout, en fait, le point d'extraction. Genre, on peut le mettre en plein milieu d'arbre. C'est con pour nous, parce que ça fait moins d'emplacement pour se déplacer, mais... Le truc, il devrait pas pouvoir venir, en fait. On va juste le mettre là, à l'extérieur.
On va juste se rapprocher. Voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Whatever, let's do this. Le Spark, t'es un peu loin. Toi. Père, c'est vraiment surpassé, n'est-ce pas? Toi, faut que je te change la voix parce que Julianne en voix, c'est horrible. If they move, je vais surveiller ce secteur. On va refaire un tour. I'm watching. I'm always. You go. I'll watch your back. On se casse. I can handle that. Hey. Ah ouais, comment le robot il va être transporté, parce que c'est des câbles qui descendent normalement. And engage. Ah, les grands espaces, le grand air. I'm not coming here again. Oh wow. D'accord, le mec il peut quand même, il menace peut comme ça 5, faire confirmé. La fusée quoi. Charge de X4 déclenchée. Bon ça va, la mission elle était rapide, elle était pas longue en plus. Si elle était rapide, elle était pas longue, ça c'est sûr. Elle était simple. Putain, que 17 ennemis, c'est pas beaucoup. Et elle était rapide quoi. Normalement ça prend une heure. On a tellement de nouveaux jouets aussi, c'est ça le truc, avec le Spark et tout. Par contre, il y a une sorte de bug, il y a le Spark et Snake en même temps. Et là, le truc a encore frisé. Putain, je sais pas pourquoi ça frise à chaque fois. Enfin, c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste le chargement. Bah, le chargement est plus rapide, j'ai l'impression. Très bien que le Spark augmente. J'ai l'impression que j'ai fait que parler dans cet épisode. Sûrement. Je me demandais si le nouveau matériel tiendrait le coup. J'ai l'impression que c'est tout à fait le cas. Ah yes. Machine Killer. Ah oui, ça aussi c'est un mode, c'est... Tous les soldats en fait gagnent des sortes de... Comment dire... Certains déclenchent par exemple, je sais pas, une haine contre les Advent et ils préfèrent tuer des Advent et tout, ils sont mieux pour tuer des Advent. Lui il est devenu une machine killer, donc le truc il aime... Il aime pas les machines quoi. Enfin bref, c'est ça, c'est assez facile à comprendre. L'armure gagne un point de bonus. Offre toujours une couverture complète à tous les alliés adjacents. Ouh, ça c'est intéressant. Ça. Si on se met genre à côté de lui, on a une couverture complète. Putain, c'est bien ça. Visée adaptive. Lorsque l'overdrive est activé, les tirs normaux n'ont pas de pénalité de recul. Je suis en train de me dire, c'est bien visée adaptive. J'ai l'impression que ces deux skills en fait vont être inutiles. Je m'explique. Visée adaptive, c'est parce qu'on a moins 15 de visée à chaque fois qu'on tire en overdrive. Donc on peut tirer 3 fois, donc ça ferait 2 fois. Donc ça ferait moins 30 pour le troisième tir par exemple. Une fois qu'on a augmenté les armes, tout ça, franchement, la visée, elle va être à plus de 100 et quelques. Donc, à la limite, on s'en fout de la visée adaptive. Voilà. Et puis, de toute façon, on tire pas tout le temps. On va tirer une fois, on va balancer une requête, etc. La rempart, je pense que c'est mieux, mais est-ce qu'on va utiliser le Spark en tant que mur? C'est ça, le truc. Ouais, on va prendre rempart pour l'instant. Mais je sais pas ce que c'est dire tout allié adjacent. Est-ce qu'il faut se mettre
Donc du coup, il faut se mettre contre le robot. Et est-ce que le mur, c'est le robot, la couverture? Ou alors, c'est si genre on est à côté d'une couverture à moitié, bah, le, si le robot vient à côté de nous, ça devient une couverture complète. Enfin, faudra tester. Donc je pense qu'on va faire ça. Vite adaptive, ça a l'air bien, mais pour le jeu final, la fin du jeu, ça va pas être très intéressant. Johnson, nouveau truc. Alors, défense établie. Gagne un tiers de plus... Non, gagne plus un tiers de vigilance et plus un armure par point d'action restant quand vous activez vigilance. Oh, oh putain, vu que toi, tu peux avoir 3 points d'action, ça ferait 3 tiers de vigilance. Ou peut-être plus 2, je sais pas comment ils vont compter. Et t'aurais de l'armure en plus, putain. Et là, c'est quoi? Si vous attaquez, vous gagnez plus 4 mouvements lors de vos prochains déplacements. Ah, ça, c'est pas mal. Si vous déplacez, vous gagnez plus 2 dégâts avec votre arme principale et plus 20 défense lors de votre prochaine attaque. Ah, d'accord. Donc, c'est une sorte de... Ou on attaque et on bouge plus loin, ou alors on bouge et on attaque plus fort. Bah, c'est intéressant, ça. On va prendre quand même le tir de vigilance multiple. Parce que là, ça a l'air vraiment abusé, quoi. Mais ça, c'est vraiment pas mal. Putain, mais tout est bien dans le fantasme. Afraid of machine. Ouais, par exemple, lui, il a peur des machines. Donc, s'il tire sur des mecs, tout ça, il va faire moins de dégâts. La base extraterrestre est en ruine, commandant. Très beau travail. Vos efforts ralentiront certainement le développement de leur projet Avatar. Eh ben, j'espère bien. Pas quelqu'un d'autre? Si. Sniper, la classe la plus pourrie du jeu. Franchement, Sniper, faut que je regarde si je peux pas le changer comme classe, parce que c'est vraiment la classe que j'utilise pas du tout. Et plus je récupère des classes custom, plus j'ai l'impression que le Sniper est vraiment pourri de chez pourri, quoi. Donc, va falloir qu'on fasse quelque chose, là. Autopsie de la reine Berserker, on va faire ça vite fait. Nous mettons le cap sur le Mexique. On va voir l'armure en fait. Qu'est-ce qu'il faut déjà pour la construire? Je suis certain que le résultat vous intriguera tout autant que moi, commandant. Comme le docteur Vallen l'a noté dans son rapport, elle s'est montrée irresponsable et limite irrationnelle en poursuivant ses recherches malgré les risques encourus non seulement pour elle, mais aussi pour les derniers survivants de l'humanité. Ça a vraiment aucun sens. Pourquoi elle a fait autant de trucs? Pour l'instant, ça a aucun sens, hein, l'histoire. Elle a fait des expériences pour faire des aliens encore plus puissants. Armurage, nous pouvons peut-être utiliser la peau étonnamment résistante de la reine Berserker pour fabriquer une armure surpuissante. Ah oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va mettre là? Alors ce qu'on a, c'est ça. Arme laser à impulsion, c'est nouveau, c'est un mode encore. De Long War, c'est des sortes de professionnels qui font des mods pour le jeu. Et ils sont reconnus par Firaxis apparemment. Et on peut fabriquer des armes laser maintenant. Comme dans le premier XCOM en fait. Je crois que c'était laser. Il y avait normal, laser et plasma je crois. Maintenant il y a normal, magnétique et plasma. Donc je suis curieux d'avoir le laser. Laser, je crois que c'est exactement pareil que le magnétique, mais je suis curieux. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait nous aider? Ben, pas grand-chose. Cache de données.
Tablette. Trouvons par où nous récupérer les tablettes. Ouais, je sais pas. Cette technologie devrait nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. On va tester. Je vous enverrai un rapport dès que nos recherches seront terminées. Bonjour, commandant. Ah, on a, oui, on a le lance-grenade amélioré, ça faudra le faire. Je vais pas le construire maintenant, je le construirai en... avant la mission si on en a besoin. Qu'est-ce que je voulais regarder ? J'aurais pu réparer ce vaisseau beaucoup plus vite si quelqu'un parmi nous était capable de traduire leur langue. Malheureusement, les linguistes se font plutôt rares dans le coin. Nous sommes prêts, commandant. Si vous avez besoin d'un jack, nous pouvons le fournir à tout moment. Armure rage, protection accrue, résistance aux dégâts, mobilité, la peau presque impénétrable de la reine berserk permet de fabriquer une armure terriblement efficace. L'armure rage est également équipée d'un mécanisme insufflant une poussée d'adrénaline à son porteur, grâce à laquelle il peut charger ses ennemis pour leur infliger des puissantes attaques au corps à corps. Mais t'es malade ou quoi? Mais c'est fou. Mais c'est fou, hein. On va le mettre sur le samouraï, du coup, non? Désolé, la vidéo, elle prend un peu de temps, mais là, on a des putains d'outils. Alors, frappe enragée, porte une attaque au corps à corps dévastatrice contre un ennemi se trouvant à portée de déplacement. Offre une plus grande mobilité, permet à son porteur d'équiper d'une arme lourde. C'est bien. Il est possible de charger les ennemis pour infliger d'importants dégâts au corps à corps. Le port de cette armure, j'ai pas vu. Le... au corps à corps, oui. Le port de cette armure a une chance de faire paniquer les Goliaths et les Berserkers, ok. Donc santé 6, mobilité 1, armure 1. Santé 5, mobilité 1, esquive. Nous n'en avons qu'une seule, alors prenez-en soin. Ce n'est pas parce que vous avez l'air d'un berserker que vous pouvez charger l'ennemi comme ils le font. Bien, parce que la description, elle dit complètement le contraire. Waouh, la vache. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. J'aimais bien l'esquive. Bon, là, on a l'armure, mais j'aimais bien l'esquive, personnellement. Bon, là, on a plus d'HP. Et on a... voilà, on a ça. On a l'arme lourde, en plus. C'est vrai que, bon... hein, on va pas se plaindre. Et on peut avoir un objet, en plus. Faudra voir le... ce qu'il faudra voir, c'est la frappe enragée. Si la frappe enragée, en fait, marche avec le... avec ça, avec le Way of the Samurai, ça augmente les dégâts de 3. Avec les épées... enfin, c'est du corps à corps, donc est-ce que ça marche ou pas? Faudra voir. Si ça marche pas, à la limite, on la met pas. On gardera celle du... du serpent, parce que il y a le grappin et tout, et la rage on la mettra sur quelqu'un d'autre. Voilà, on testera en tout cas. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.